Pendant le générique, je fais ça. Ah bien. Ok. Bienvenue dans Histoire de... Normalement, on est au chapitre 8. Et le son est bon. Est-ce que la reconnaissance touchistique est bonne? Oui, ça a l'air. Commencer. Nous, on continue, mais oui. On est chez Charon, c'est peut-être le cas. Chapitre 8, Charon, oui, 22h43 au lieu de 15. Je suis heureux. Alors, j'avais vu qu'il y avait un petit problème, du coup, je voulais tester un truc. Déjà, il y a HUD que je peux faire. Si vous voulez qu'on enlève le HUD. Voilà. On va faire ça. Alors, le jeu, il est... Le son est bon là. Oui, il est au bon endroit. Et peut-être qu'on va enlever la playlist aussi parce que du coup... Voilà, comme ça c'est mieux. Et je voulais voir aussi pour la caméra, parce qu'en fait, elle est peut-être mal placée, hein, faut le dire. Hein. Voilà, comme ça, c'est peut-être mieux, non? Non? C'est peut-être mieux? Je sais pas. Bon, on verra. Faut me dire, au pire, je corrigerai. Bon, et si on jouait? Alors on était à Charon, je sais plus ce qui s'était passé. Ah oui, on avait perdu Sam qui s'était enfui, voilà. D'accord. Ah oui, on est totalement dans un autre délire que tout le jeu. Mais venez, je suis caché derrière. Pourquoi vous venez pas? Ah! Bah, venez pas alors. Ah oui, d'accord. Bon, on va aller le taper à la poêle, hein, parce que... I'm not friend with you. Voilà, bam. Ah, il y a le bruit maintenant. Le bruit était disparaît quand on est loin. J'espère qu'on aura le temps d'avancer parce que... C'est pas comme si j'avais de la vie.
Et de la munition d'ailleurs. Allez, 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 allez. D'ailleurs, munitions. On va appeler le robot. J'ai pas checké le son pour la voix parce qu'on a un peu gueulé la dernière fois, donc j'avais baissé. Mais là, ça devrait être mieux. Comme ça, je peux être loin. Oh! On peut casser. Ah, trop bien. Des munitions. Je sens le truc. On va faire ça comme ça. Étrange comme. La musique est pas mal là. Est-ce que vous aimez bien la musique? Parce que c'est vrai que c'est une grande question. Là, il y a une musique un peu bien. Sachant qu'il y a beaucoup de passages où il n'y a pas de musique. Oh, un gros bouton. J'ai appuyé sur le gros bouton rouge. Ah. Je vais augmenter un peu la... Parce que j'ai des reflets. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On va aller là. Hein. On peut pas... Ah oui, on peut pas monter. Ça me paraît logique. Et j'appuie sur ce bouton. Ok. Et on est en bas. Ok. D'accord. Je veux pas utiliser de munitions. Mais on n'a pas de protection, hein. Y a pas de... Si je le pousse, il va... Ah non, j'ai cru qu'il allait débloquer un truc. Ok. Ah! Je n'y avais point pensé. J'avais pas vu le troisième bouton. Semi-boss. D'accord. Ok. Ça va se passer comme ça. D'accord. Bon, si tu me fonces dessus, bah viens. Ah, je perds des vies quand même. Incroyable. Bon.
Il y a un bouton là, c'est pour sortir, j'imagine, et là-bas. Il y a un gros bouton, il y a un gros truc pour appuyer. Ah, non, mais non! Ah bah pourquoi pas. Non mais j'ai rien. Bon. Ouais. J'y crois pas à cette cuisine. Mais est-ce possible? Salade de fruits, oui. Ça paraît logique. Bon, on peut plus rien faire, voilà. Et du coup, ça, c'est pour faire dodo ou pas? Non. Et sauvegarder, c'est... Dead. Ok. Après, c'est bien, on a du gros sel, mais c'est que à la fin du jeu. Et pour l'instant, on peut même pas acheter de quoi que ce soit, donc... Peut-être dans le futur de l'imparfait, hein. Allez, Rebelle Sonic, ça serait bien que tu reviennes. D'ailleurs, ah oui, pendant les interscènes, il se charge, hein, le Rebelle Sonic, c'est bien. Ok, on est en haut. Vous pouvez pas approcher? Ou c'est pas votre délire peut-être, je sais pas. Ça sert à rien non, si. J'ai pas vérifié si on voyait bien. Oui, ça a l'air d'être bien. Pas grave, on continue. Salut Raving Bell, bonjour, comment vas-tu? Attends, je pose mon shotot aussi. J'espère que ta partie de Blasphemous était bien. Carte, oh là là. Bon là c'est un téléportage. C'est une téléportation donc ah oui mais là on va se déplacer donc on va aller à la téléportation. Donc. Ah de la vie. Et on peut toujours pas se sauvegarder, bien entendu. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que le chapitre 8 là, il est long parce qu'on a perdu Sam, quoi. Parce que déjà, moi je trouve que là c'est. Pas ouf. Comme passage.
Ah, boss, ça sent le boss. Regardez, vous voyez ça? Ça signifie semi-boss. Voilà. Oh, il y aura plein de monde, oh là là. Ah, bonjour. Sans courir, ça serait mieux parce qu'on peut pas courir, nous. Oh là là, la course en ligne droite, on peut pas faire, nous. Oh là là. Oh là là, je me prends mes propres coups. Ah, je suis tout. Ah, hop. Il y a plus de bombes, ok. Celle-ci, je la prends. Ouh là là. Ah, je l'ai loupé. Ah, j'ai perdu plus de vie à la deuxième que celle-ci. Oh. Vas-y, cours, cours, cours. Oh là. 4, 5, 6. Ouah. Ah, je suis pas d'accord. Là, je suis clairement pas d'accord. 6 sauts. 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Ah, c'est bon. Ah, je suis archi pas d'accord. Tout à l'heure, il n'y avait pas 6 sauts. Hein. Je peux même plus faire confiance aux ennemis. Compliqué la vie. Hein. Faut que je regarde. Si ça va, le son il est bien. Ouais. In real life. Parce qu'en fait, on peut augmenter. Je crois que j'ai baissé énormément le son. Ouais, non, pas énormément. Ça va. Faut que je vous dise, hein. J'adore les passages escaliers, c'est vraiment ma came. Là, on a fait quand même deux passages pour pouvoir juste appuyer sur des boutons. Oh, c'est joli. Vous êtes robot Sonic évolué? Ah non, prototype de robot nourrice. Bienvenue au musée Charon. Les armes ne sont pas autorisées dans l'enceinte de l'exposition. Oh. Vous transportez des armes en quantité anormale. Qu'est-ce que ceci? Une poêle? Vous pouvez la garder. Profitez bien de la visite. Bah là, je peux même pas l'utiliser, la poêle. De quoi tu me racontes? Ah, on peut sauvegarder. Ah, on est dans l'eau, là? Étrange endroit. Vous ne trouvez pas? Il y a des gens qui aiment collectionner les machines. En toute logique, il y a aussi des machines qui collectionnent les gens. D'accord. Ah oui, donc d'accord, on est vraiment dans un prototype de Matrix. L'œuf de la vie, l'invention suprême, et la pierre fondatrice des unicines d'humains. Et voici le cerveau, le prototype d'origine. Bien qu'il ne soit constitué que d'une seule cervelle, sa puissance intellectuelle dépasse de loin celle des humains. Ce qui nous offre une capacité mentale illimitée. Fichu robot, comment oses-tu parler de moi de la sorte? On est d'accord que là c'est Craig Krog, comment il s'appelle dans Tortue Ninja là. Il est considéré comme méchant. Hein. Je suis une personne à part entière. Elle a son petit caractère.
mais il est assez facile de le mettre au travail. Il suffit d'une petite stimulation. Ah. La technologie est devenue de plus en plus sophistiquée jour après jour. Nous n'avons pas tardé à terminer notre premier humain artificiel, issu de l'œuf de la vie et entièrement personnalisable. La méthode primitive de procréation ne sera plus nécessaire. Elle sera remplacée par une forme de création plus évoluée et une forme d'être plus évolué. Donc en fait, voilà, Sam est un clone, si j'ai bien compris. Cela dit, l'œuf de la vie ne reste qu'un produit. C'est pour ça que mère... Ah, c'est peut-être une projection du cerveau, du coup. De monsieur cerveau. De madame cerveau, je sais pas. Afin de surpasser réellement les possibilités humaines et de concrétiser la gloire de l'humanité, il nous manque encore un élément essentiel. Veuillez passer à la salle suivante. Bonjour. Qu'est-ce que donc? Un humain? Ce n'est pas courant par ici. Et c'est le premier à m'avoir repéré. J'imagine que tout peut arriver de nos jours. Mais j'y pense. En quelle année sommes-nous? Les humains ont-ils déjà quitté la planète? Vu les monstres qui grouillent partout, je suppose que le miasme est toujours là. Pas très bavard, hein. Mais le silence n'a rien d'une lacune. D'accord. Donc là, on peut reparler. Et ça, on peut regarder ou pas? Non. On va enfin comprendre le lore. Voici Mère, la forme de vie la plus évoluée qui soit. La réponse ultime de l'humanité dotée d'infinies possibilités. Un simple fragment de Mère peut faire fonctionner une usine d'humains pendant d'innombrables générations. Même si l'humanité était anéantie par le miasme, Mère serait capable de faire renaître la civilisation. D'accord. Mère, l'œuf de la vie et charbon. Ce sont les trois éléments permettant de faire renaître la civilisation. Ok. Charon sème la mort. Mère fait germer la vie. Donc Charon, c'est le miasme, ok. L'humanité doit poursuivre ce cycle de mort et de renaissance afin d'atteindre son véritable potentiel. Alors, le véritable potentiel de quoi? Mon cul. Je veux devenir un robot, je peux être là. Pourquoi il y a une tête de bizarre là? Ok. Donc là, c'est pas mère, normalement, parce que elle a la couleur bleue. Ouh là là, on dirait du Omori. Alors. Je ne suis pas du tout. Alors, c'est Jasper, mais on voit pas. Je ne suis pas du tout à fait sûr que ça marcherait. Rebelle Sonic, pas de panique, je vais vous expliquer. Car quoi? Le périple qui vous attend requiert non seulement de la force, mais aussi de la sagesse. On peut examiner quoi? Bah non, on a déjà regardé. On continue, hein. Mais c'est Omori. Je peux examiner quoi, là? Je peux monter, je peux faire des... Genre, c'était inattendu. Quel crétin, il a encore dû se perdre. De l'époque où nous errions perdus sur le chemin de la vie. Donc, elles ont peur de moi. Elles me regardent avant de partir. Ok. Mais j'ai tout de même l'impression, ça c'est Alva, qu'il nous manque le truc décisif, là tout gagnant. Bah ça va être le jonc, j'imagine. Je sais pas pourquoi, mais... Peut-être parce qu'on a une poêle. Ah mais ça c'est Sam. C'est vraiment Sam, double. Puisqu'elle a fait les mêmes gestes. Lee, ce repas, il a le goût de l'amitié. Mais c'est vraiment Omori, hein. Le goût de l'amitié, c'est tellement ça, quoi. On a joué au même jeu, deux fois. Ah. D'accord. Bon, on descend, hein. Il y a de plus en plus de choses, hein. Ah, c'est peut-être Salomon, la salle de Salomon, ça. Parce qu'il avait beaucoup de télé. Tu ne sais déjà plus donner
Ou donner de la tête, pas vrai? Mais attends, ce n'est pas fini. Ça va. Je vis bien. Alors là, on a gagné de l'argent, c'est vrai. Par contre, là, elles sont trois. Est-ce que je peux gagner de l'argent ou pas? Non. Oui, peut-être. C'est celle-ci qu'il faut qu'on joue pour gagner de l'argent. On va faire tout, hein. Ça va peut-être débloquer un truc, hein. Y a pas de son. C'est pas moi, hein. C'est le jeu. Ting. Voilà, j'ai fait le jeu, j'ai fait le bruit du jeu. C'est bizarre cette histoire de son, n'empêche. Zarbus, tu ne sais. Ah, je me rappelle même plus qui c'est. Tu ne sais déjà plus de... où donner de la tête, pas vrai? Mais attends, ce n'est pas fini. Mais on a déjà vu ça. Mais faut que je gagne. Comment ça se passe? Ting 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 ting. Ting 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 ting. Ting 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 ting. Faut faire des X partout peut-être. Ting 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 ting. Eh bon, c'est nul. Est-ce que je peux utiliser la grande? Parce que... Ah non, on peut pas revenir en arrière. Excusez-moi. Hein. Moi, je pensais qu'on pouvait... Mais là, on est en boucle. Ça me fatigue. Je monte en haut. Hein. C'est pas comme si le jeu m'avait déjà saoulé avec la boucle. Hein. L'impression d'être dans... On peut pas revenir en arrière. Hein. Je précise. Ah oui, ah oui, faut suivre celle qui a joué au jackpot. C'est ça. C'est en haut. Je crois que c'est elle. Oui, c'est ça. En fait, faut suivre la Sam. Notre objectif est droit devant. Ok, je peux jouer? Non. Ok. Bah, si c'est droit devant. Bon, elle est montée. Celle qui est allée droit devant. Alors, je sais pas si c'est droit devant, là elle est montée. Celle qui était au milieu. Donc, ok, on continue, hein, parce que ouais, ça va être la boucle. On va dire, ouais, notre objectif est droit devant. Ça, c'est exactement les... Tu vois, ça, c'est la même chose. On a fait la loupe, et là, on se retrouve dans les mondes de Zelda, où c'est l'enfer. Donc là, tout droit, tout droit. Bah, on va aller tout droit, écoute. Hein. Si tout droit, c'est tout droit. Ouais, ça a l'air d'être ça. Du coup, j'ai réussi à faire les trois premiers mondes. Enfin, les trois premiers engrenages. Enfin, les... Comment engrenages? Labyrinthe, tranquille. Et après, tout d'un coup, le truc s'est transformé en labyrinthe. Je sais pas. Ouh là, il y a un grain, là. Il y a un petit grain de... Ah. Ah, mais... Oh non, mais pas vous. Non, mais je vous aime pas, en fait. Hein. Je vous ai jamais aimé, les chiens. Je pars. Salut. Je suis pas obligé de me taper tout le monde, là. S'il vous plaît, merci. Ah, faut que je fasse un... Presque. Donc là, on est dans les souvenirs de Jon, j'imagine. Oh non, pas vous non plus! Je vous aime pas non plus! En fait, je vous aime pas, vraiment. Par contre, on perd de la vie, hein, ça c'est clair. Ça, c'est clair. Alors, je vais prendre d'abord de la munition. Et de la vie. Ah oui, mais la munition, ça sert à rien. Ouais, bon, c'est bon. La poêle, elle est efficace, n'empêche, hein. La poêle rectangulaire. Du gros sel qu'on peut pas utiliser, génial, la vie est trop bien.
Oh, de la vie. Oh, de la vie. J'aime bien le petit son de... Boum. Le petit truc qui arrive. Boum. Oh là là. Ah oui, je crois que je peux les renvoyer, ça. Ouais. Par contre, faut viser, quoi. Je suis pas fan. Je suis pas très fan de ce genre de truc non plus. Hop, hop, hop. Donc là, on pourrait utiliser le feu, mais on peut pas. Oh. Tout ce que j'adore. On va éviter le truc au milieu, là. Bon, ça va avec la poêle, au final. On va monter. Oh, c'est beaucoup plus rapide avec la poêle carrée, wesh. C'est trop bien. Oh. En fait, le plus gros problème, ouais, c'est les... c'est ce que je peux pas détruire. C'est le plus gros problème, c'est ça. Aïe. Oh non, pas toi. Bonjour. Oh. 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 De la vie peut-être? Non. À un moment, on pourra acheter des trucs. Hein. On retrouvera de la vie quelque part. In the real life. In the real jeu. Ah bah voilà. Mais ça, je reconnais un peu. On est toujours dans le centre commercial. Hein. Oh non, le miasme. Ah, c'est tout de suite moins marrant. Oh là là, c'est qui ça? De toute façon, je sais, il faut juste foncer dans les ennemis. Hein. Les ennemis ils vont pas se faire tirer dessus par. Allez, on appuie sur ça. Ah. Bon. Le miasme, il avance pas des masses, hein, je trouve. Ouais, mais ça, je reconnais. C'est exactement le même passage qu'on avait fait dans le centre commercial. C'est juste qu'ils ont modifié 2-3 trucs. Il y a même la musique, je crois. Ça, je peux prendre? Non. En fait, j'ai plus le temps. Là, il y a le miasme qui arrive, c'est bon, cassez-vous. Mon marrant. Oh bonjour. Mais là il y aura pas le miasme, ça je vous le dis. Le tempo il est pas là de toute façon. Ah si, il y en a un en bas. Ish. Ah oui. À droite ou à gauche? On va dire à droite. Et après à gauche. Ok, j'ai fait apparaître une porte. Ah, ils sont prêts quand... ils sont au taquet, hein. Vas-y, partez. Mais...
Il m'embête. Non mais vous pouvez apparaître autant que vous voulez, hein. Vous me donnez juste de quoi vous taper en fait. J'ai moyen de changer d'arme là ou non? C'est vraiment la poêle, le jeu, le vrai gameplay quoi. Ah oui d'accord. Oh, c'est intéressant. J'ai l'impression que le monde décide de jouer contre moi. Hein. Ah, je peux même pas aller tout droit. Ok, je vais à gauche. Ah, ça fait pas du tout peur. Ah, ah d'accord, c'était en haut. LOL. Ah, c'est un gameplay, c'est game over direct, ok. Oh non, on recommence ici. Oh, c'est tout de suite maman. Il faut que je tape quand même, c'est, je peux pas juste éviter les murs. D'accord. Bon, faut que je me rappelle à quel endroit il faut tourner plutôt que d'aller tout droit. Hein. C'est là, je crois. Faut que je m'arrête. Ah bon. Ici, voilà. Là, on va se faire avoir encore, je vous le dis. Ah non. Vous l'avez annoncé. C'est... C'est uniquement pour me faire chier. On va revenir au début, hein, je vous rappelle. Voilà. J'étais sûr. Le but, c'est de faire tout d'une traite. Merci. I'm happy. Le jeu, tu sais pas en fait, tu sais pas prendre, tu sais pas à quel moment faut prendre son temps en fait. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que ça, genre c'est, tu le fais trois fois et on va se retrouver avec le même problème à la fin, c'est-à-dire tu peux, t'es obligé de le faire trois fois et de die. Tu peux pas le faire sans prévoir le truc quoi. Donc en fait, faut être au taquet sur tous les trucs. Donc, au moment où ça s'arrête, voilà, il faut attendre. Ici. C'est où? C'est où? Ah, il fallait juste aller dans l'autre sens. Lol. Donc à partir du moment où ça s'arrête, en fait, faut... Hop, voilà. Lol. Lol. Oh, c'était pas le bon sens. Nick! Tu veux que je fasse quoi, là? Après, je veux bien le die and retry, mais bon... Vas-y, ah, on est là, ok. Bon, c'est à gauche, hein. En fait, c'est toujours la plus loin. Imaginons que c'est toujours la plus loin, voilà, quoi. En plus, ça se déclenche vraiment, c'est sale quoi. C'est quand t'es prêt quoi. Y'a rien qui va. Merci. Oh. Oh. Ah, c'était celle du milieu, je crois. Non. 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 Oh, c'est celle de là-bas. Non. Purée, je l'ai évité. Dean. Allez, allez, c'était la fin. Moi, je vais tout droit, hein. Je m'en fous hein, des murs.
Bon, on a passé cet enfer. Je vais mettre du soin pour moi, tout seul. Tu ne veux pas regarder la télé? Alors que dirais-tu de ton jeu préféré? Tu veux jouer à Earthbound? Ça c'est... Du côté de Sam. Ce qui s'est passé pendant que nous on se faisait attaquer par des murs. Laisse-moi partir. Je suis la mère de personne. Laisse-moi retrouver Jon. Tu ne comprends toujours pas? Ces humains, ils n'en valent pas la peine. Laisse-moi donc purifier ce monde, d'accord? Ah, donc t'es Charon du coup, comme avant. Je ne t'écouterai pas. Je ne suis pas comme toi, je suis Sam. Et Jon et moi, on va vous arrêter. Très bien. Dans ce cas, reste donc ici. Reste ici jusqu'à la fin des temps. Personne ne viendra à ton secours. Hé, reviens! Laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Jon! Bon, bah, je vais jouer à Earthbound. C'est le moment où tu joues, quoi. Jon! Ah ouais, on est là, hein. Dans ton monde. Ah ouais, il faut que tu me sortes de là. Elle m'a enfermé ici, l'autre. Il fait des tractions, hein. Ah ah ah, ah ah ah, merveilleux. Les humains sont vraiment charmants. Qu'y a-t-il? Tu n'en as pas assez vu? Alors, que dis-tu de ceci? Jon va vous empêcher de nuire. Parce qu'on est des assistants de laboratoire super géniaux, quoi. Comment était-ce? D'une justesse absolue, il me semble. Ha ha ha, ha ha ha. Les humains, vous êtes si faibles. Tu n'as pas la moindre espoir de m'approcher. Tu ne serais rien. Rien du tout sans elle. Jouons un petit jeu, veux-tu? Oui, je t'ai préparé quelque chose de très spécial. On peut acheter des trucs là. Attendez, attendez, attendez. Voilà, merci. Les retrouvailles ne sont pas toujours des moments de joie, mais si vous faites demi-tour, il n'y aura peut-être pas de retrouvailles du tout. Vous gardez vos souvenirs? Oui. On peut pas faire à manger parce qu'on n'a rien trouvé sur le chemin. Et on va aller à droite. À droite, ouais. À droite ou à gauche? What's the great question? On va aller à gauche. À gauche, y a pas. Le jeu, c'est quoi? C'est que tu m'envoies des trucs, il faut que j'évite sur le tapis roulant? Parce que c'est moins marrant tout de suite. Alva, bonjour Alva. Ah, il y a la princesse dans sa bulle. Alva, tu es possédée ou tu viens m'aider? Ah non, c'est Alva, princesse Alva Isabelle. Elle est adorable, n'est-ce pas? Aussi adorable que le jour où je l'ai rencontrée. Elle vous a toujours envié, vous savez. Voyager partout, vivre des aventures, ça a toujours été son rêve. Ok. Malheureusement, le destin avait d'autres projets pour elle. Elle n'a pas eu d'autre choix que de devenir la protectrice. Mais maintenant, elle est enfin libre. Elle a déjà fusionné avec le train. C'est un train? Et bientôt, le miasme éliminera toute l'humanité. Ses enfants sortiront à nouveau des usines. Et ils accompliront ses rêves en son nom. Ok. Quant à moi, je resterai ici pour veiller sur elle, pour la protéger jusqu'à la fin des temps. Alors vous comprenez sûrement que nous allons nous battre. C'est ça l'histoire? Se battre contre ses ennemis, ses amis. Pourquoi je ne peux pas vous laisser faire un pas de plus? Tu as les yeux rouges, peut-être, Alba. Isabelle, c'est peut-être pour ça.
Ah oui, d'accord. Non, mais moi je veux m'enfuir en fait. D'accord. Ouais, d'accord, donc on peut même pas l'éviter. Allez, salut. On a que la poêle. Oh. Ah ouais, faut qu'en plus je trouve le tempo. En plus, faut mâcher, mais quel enfer! Quel enfer, quel jus de l'enfer! Ah ouais! Pourquoi tu te transformes en Dark Souls d'un coup là? Aïe aïe aïe! Bon, attendez. Faut que je me motive parce que je sens que je vais mourir en boucle. Ouais, faut pas que je mâche. Mais c'est à quel moment qu'on la tape en fait? Wouah, vas-y, c'est bon. J'ai tellement l'habitude de mâcher dans le jeu, comment tout d'un coup on doit faire du rythme? Oh mon dieu! Oh là là, en plus je suis nul à ça, pourquoi? Pourquoi tu m'infliges ça, le jeu? Ok. Voilà, trois fois. C'est bon là? Vous êtes devenu plus fort. Ok. Est-ce que la première phase elle est obligatoire et on cesse... là on se sauvegarde ou pas? Mais ma détermination ne l'est pas moins. Bah vas-y, continue. Hein. Wouah! Non mais sérieusement? Wouah, la troisième, j'y arrive plus. Ok. Pourquoi il est devenu comme ça? Infernal le jeu. Oh là là. Attendez, attendez, parce qu'on va prendre de la vie. C'est pas comme si on avait acheté des armes avant et qu'on pouvait les utiliser. Je sais ce que j'ai à faire. Alors pourquoi mon épée refuse-t-elle? Si elle refuse, elle devrait pas m'attaquer. Allons-y, déterminons une fois pour tout qui de nous deux l'emportera. C'est la fin? Bah là, tu vas nous. Ah, faut que je charge en plus. J'ai jamais chargé en combat, mais qu'est-ce que tu me racontes? On va recommencer la boucle. Allez. J'ai fait le jeu. Tu vois, le jeu est en mode facile. Et là, tout d'un coup, il s'est dit, en fait, on va se la jouer à Dark Souls. Ok. Ok. Moi, ce qui m'inquiète, du coup, c'est si on se retrouve face au Rebel Sonic. Non, mais deux. Oh. C'est bien, c'est que quand t'es déjà à la fin de la boucle, on te permet, quoi. Wow, la dernière. Deux. Non mais. Un. Non mais. Ah, j'ai cru qu'elle allait arriver derrière.
Ah bah, c'est bien ce que je me disais que c'était la phase de la... Ah ouais, non. Ah, il y a des moments, elle évite, en plus, elle le fait pas. Je pense que c'est tellement par rapport au tempo, je me fais tellement avoir à ça. Bon, on va y arriver. On va y arriver, mais faut que je reste concentré, quoi. Le mash, ça va. Ok, faut juste que j'ai la dernière en fait. Oh là là. Une. Oh, le temps. Ok, je vais prendre de la vie là. Hein. Mais moi, c'est ma vie qui refuse de monter. Hein. Dans ma vie, j'aurais bien trouvé de la vie. Comment te dire? Oh, mais attends, mais le chargement. Je suis sûr que je peux la taper. Non, mais j'ai perdu tant de vie! Attends, 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 attends. Moi, je suis pas d'accord. Non mais c'est un délire. Je sais pas ce qu'il faut faire. En fait, on peut pas contrer en donnant un coup. Je suppose qu'il faut charger, mais il faut charger au même moment qu'elle. Faut que je compte. Faut que je compte. Dean. Deux. Elle m'enlève deux. Et là, ça marchait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Je contrôle pas là. Waouh. Eh, mais c'est quand tu veux en fait, hein. Attendez, parce qu'on va prendre la vie. Ah ouais, le temps en plus, hein. Le temps qu'elle se retourne. En fait, c'est le jeu te permet d'attaquer à des moments. C'est le jeu te permet à un moment de récupérer de la vie. C'est pas tu peux attaquer, c'est t'attends qu'on t'attaque pour pouvoir riposter. Ah bon, ouais, c'est un truc incroyable ça. Hein. En plus le... C'est bon là? Attends. Voilà, bah merci. Merci. Je vais pas claquer ma bouffe maintenant, je vous le dis direct. Si je préfère faire encore un game over, hein, parce que ça me fatigue. Je vois même pas comment je peux faire parce que. Il faut que je vous prévienne, hein, il y a un petit laps de temps aussi entre le moment où tu tapes, parce qu'il fait le mouvement, et il faut que t'attendes en fait.
Donc du coup, le chargement, il faut que tu l'enclenches. Comme ça. Et ça prend du temps, en fait. Bon, les premières phases, en fait, il faut que je les fasse sans perte de vie, en vrai. Là, elle va m'enchaîner 5. S'il te plaît, sauvegarde. S'il te plaît, sauvegarde à ce moment-là, ce serait tellement bien. Waouh. Mais en fait, je veux pas me battre contre toi, Alvin. Hein. Je te dis, hein. Isabelle. Bon, après... Oh là là. Encore une fois, genre propre comme ça. Hey, lol, c'était la dernière. Voilà, c'était encore la dernière. Allez, maintenant, on récupère toutes les vies qu'on peut parce que ça c'est pas possible. C'est juste pas possible. J'ai pas le temps en fait par rapport à elle. Faut juste que j'attende. Ah oui, d'accord, faut que j'attende que elle soit à peu près au même endroit de l'attaque que moi. Ok, c'est sympa. Alors par contre, vie. De la vie. Oh, le truc de ouf. Wow. Pourquoi le jeu a décidé ça maintenant de se réveiller? S'il te plaît. Oh là 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 là. Allez, les trois premières, s'il te plaît. Tranquille. Encore une. Avec 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, la dernière, c'est un truc incroyable quand même. Mais de plein de fois quoi. Oh là 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 là, la vie qui est partie là. Mais en plus le pire c'est qu'elle m'enchaîne avec les grosses attaques à la fin. Mais c'est incroyable. J'en peux plus. C'est même pas t'as de l'espoir quoi. C'est t'as foiré ta première fois, maintenant il faut que tu aies la pression. Aïe aïe aïe. Bon. J'ai un peu peur du coup de la fin, parce que si c'est comme ça déjà là... Oh, il est parfait. Le premier tour est bien. Je suis pas devenu plus fort, j'ai une poêle plus grande. Oh,
J'ai cru qu'elle allait sauter de l'autre côté, mais non. Ok, les deux premiers sont bien. On récupère de la vie direct. Je vous le dis direct. Ça va être ça, ça va être ça direct. ouais, c'est peut-être pas nécessaire. Ouais, bon, encore deux. Un coup et c'est bon, en fait. Oh, c'est bon, je l'ai fait. Oh, la troisième phase. Merci de me redonner de la vie, merci. J'en ai pas claqué beaucoup, mais c'est bien. Alors, c'est la fin. La musique. Allô? Musique? Merci. C'est terminé, Isa. Tout est terminé. Alva, c'est toi, Alva? Ce que tu as fait pour moi, c'est déjà trop. Alva. Ceux qui sont déjà morts ne sont pas censés revenir à la vie. Non, mais tu n'étais pas censé mourir. Bah, on sait pas en fait pourquoi elle est partie, donc je sais pas. Et pourtant, c'est tout de même arrivé. Même toi, tu es consciente que ces choses ne sont pas moi. Baisse ton épée, mon doux chevalier, et laisse-les s'occuper du reste. Mais. Il. Je me suis vu. Isabelle, Alva. Je suis tellement désolé, cet autre moi. Non, elle c'est moi et c'est moi qui ai fait toutes ces choses affreuses. Je... D'accord. Toujours aussi adorable, Sam. Alva, voilà. Chargé à 100%. D'accord. Écoute-moi bien, Sam, ce n'est pas ta faute. Après avoir fusionné avec Charon, j'ai tout vu trop clairement à mon goût. Et je le vois encore à présent, cette volonté obscure qui cherche à tout dominer est tout près. Elle essaie de te contrôler, Sam. Et si elle y parvient, et si elle arrive à maîtriser son pouvoir dans son intégralité, alors toute l'humanité sera condamnée. Je vais l'arrêter. Viens, Jon. Mais le prix à payer, je ne perdrai pas, pas question. Je pense que Sam, tu vas mourir, hein, mais je... C'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas la fin de phrase de Alva. Et qu'on n'essaie même pas d'attendre. Isabelle non plus. Jon. Bon, tant pis. La dernière bataille nous attend. Jon, promets-moi que quoi que tu puisses voir, tu seras conscient que ce n'est pas moi. Quoi qu'il arrive, tu dois les arrêter. Tu trouveras un moyen.
Bah avec toutes les armes que j'ai, si je peux les avoir, je sais que tu vas y arriver. J'imagine que la poêle, on l'a utilisée uniquement à... Ah bah t'es avec nous du coup. On peut jouer avec Alva ou pas? Avec Sam ou pas? Non, on peut pas jouer avec elle. Sam n'est pas là. Bon, bah voilà. On est reparti sur une petite marche, hein. Bienvenue les amis. Vous ne me connaissez peut-être pas, mais vous connaissez sûrement mes nombreux frères. Je m'appelle Johnny, mais tout le monde m'appelle l'ultime Johnny. Vous avez raison de faire preuve de prudence. Vous êtes des aventuriers aguerris après tout. Ah merci. On va pouvoir augmenter? Mais vous pouvez me faire confiance. J'ai des marchandises de qualité supérieure qui vous rendront sans doute ce service. Ok. Amélioration de lance-flammes, grosse caisse de munitions, grosse caisse de... Ok. Extension de sac à dos, c'est pas mal ça. 250. Ah ouais, mais après je pourrais... Va falloir que je choisisse. L'augmentation du sac à dos déjà. Tristesse, j'ai une poche en plus. Ouais. D'accord. Donc là j'ai que 3. Alors j'ai une possibilité. Grosse caisse de munitions. Grosse caisse de bombes. Bon bah on va équilibrer. Ah je peux encore augmenter mon truc. Ok. Et ça on pourrait acheter ça après. Parce que ticket c'est bien. Donc on va acheter une grosse caisse de bombes. Et maintenant on peut plus rien acheter. Donc là il me reste 757. Si je paye ça, j'ai plus de thunes. Bon alors du coup on va payer ça déjà. Un retour de la vie. Une poche. On utilise le Rebel Sonic tout de suite. Et du coup, on peut se racheter une poche. Approvisionnement rapide, c'est pas mal, ça me permet d'ouvrir approvisionnement instantanément. Ok. Bon, c'est zéro balle, donc on peut. Hein. Ah oui, non, mais c'est zéro balle pour tout. Donc on s'en fiche en fait. Par contre, ça, ça c'est pas mal. Donc peut-être qu'on va racheter ça une fois. Pour faire le plein de vie. Ça au moins c'est fait. On a tout claqué pour de la vie. Parce qu'on n'en trouve jamais de la vie. Hein. Je soyez pas trop choqués que j'ai rempli mon truc. Hein. Dans les jours à venir, je serai comme une particule, une onde qui traverse l'univers. L'univers appelé John. Ok, super. Ok. Donc ça c'est tout ce qu'on a trouvé. Hein. Ok. Ça c'est mer, sagesse j'imagine. Et bon. Ok. Donc Salomon, mer et Sam du coup qui ont l'air d'être liés. Est-ce qu'on peut aller là? Ou c'est juste ok c'est petit effet de luminescence, un peu joli. Donc, du coup, le chapitre 9, c'est plus le prologue, quoi, c'est la fin. Ouais, on est en moment de combat, c'est ça? Ok.
Oh là là, c'est exactement le genre d'endroit où je veux pas être pour faire un boss. Voilà, c'est. En plus, il y a les corbeaux que ça. Oh non. Bon, bah c'est parti, j'ai l'impression. On va à gauche, hein. On va à droite plutôt. Ok. Maintenant, on se télétransporte. Ça va. Tout va bien. J'ai aucun respect à charger pendant 15 ans. Non! Quoi? Je l'ai loupé de peu! Oh là 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 là! Non! Non! Non mais c'est pas possible! Comment je peux le louper de si peu? Ah bah faut que j'attende en plus maintenant. Quand tu veux, hein. On est dans ton monde hein, de toute façon. Ah enfin! Il n'accepte pas le chargement infini. Lol. Mais elle est avec nous, elle est pas avec nous. Tout à l'heure, on pouvait pas la jouer, mais en fait, là, on la joue parce que le jeu veut qu'on la joue. Mais je comprends pas trop, hein. Il y a des moments tu peux la jouer, d'autres moments tu peux pas jouer. C'est vraiment partial, quoi. On va se faire taper par les corbeaux, de toute façon. On n'est pas sorti de l'auberge, quoi. C'est où qu'on va? Ah oui, je peux vraiment pas avec la grosse charge. Ok. Ok. Corbeau, vous voulez pas venir? Les corbeaux. Non. Ah, c'est fallait descendre, ok. Oh, c'est bien orange. C'est jaune. D'accord, donc on a compris où était votre point faible. En plus, tu le tripotes, donc j'imagine que c'est ça.
Donc j'allais jusqu'où là? Faut que je trouve le chemin, c'est ça? Ah non, c'est bon. Est-ce qu'on, quand on revient, on doit pas faire tout le chemin de transportation, s'il vous plaît? Ok. D'accord. Aïe. Ok. De toute façon, il est chiant. Là, je peux le toucher, là? Prends la tête, hein. Ok, ok, ok. Ok. C'est bon là? On peut le taper ou pas? Non, c'est jamais on peut le taper en fait. Première chose qu'il remet, c'est son bouclier. Voilà, merci. J'accepte. De la vie en passant. Pourquoi il est monté là? J'étais même pas en haut. Il a dit que j'étais en haut. Pourquoi? La poêle est mieux. La poêle est nettement mieux. Merci. Oh là là. Faut que j'aille où? Faut que j'aille où? Ah, j'ai plus ça maintenant, ça y est, c'est fini. Mais pourquoi John il apparaît avec elle? Je veux pas me poser de questions, je vais faire comme si de rien n'était. Oh, quelle carotte! Incroyable! Bon, il y a une tête qui est morte.
C'est bon? Enfin, on l'a eu, on y est presque. Non, il y a encore trois phases, j'annonce. On n'a pas de vie. Ah! Et on a de la vie, c'est bien. Mais par contre, là, ça va être la dernière fois. Alors maintenant qu'on a une nouvelle technique, bien entendu, ça va être repousser des boules, j'imagine. Voilà, merci. Je vais les éviter. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Donc, est-ce qu'on peut y arriver à un moment? Je ne sais pas. D'accord. Maintenant, je peux charger ma poêle. Ok. Oh d'accord, ok. Faut que je contre. Compliqué. Compliqué de découvrir le truc, hein. Ok, ouais, bon. Ça, c'était sûr. Allez, on revient à zéro. On est à la deuxième phase, hein. Ouais, bon, vas-y, c'est bon, on a compris. Tu veux pas qu'on joue avec toi, quoi. LOL, elle m'a fait perdre toutes mes billets. Non, mais... On revient en arrière là. Comment tu veux que je contre tout? Je l'ai même pas touché, hein. Je la touche pas pour l'instant. Je ne la touche pas. Je ne la touche pas, je tiens à le préciser. Oh là là, les deux. Ah, deux fois? Ah, trois fois. Là, c'est bon, je suis... Non, mais attends... Jusqu'à quand? Wesh! Jusqu'à quand? On va refaire tout. Tout le passage où on tombe. Oh là 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 là... Bon, après, j'ai plein de vie, enfin, j'ai plein de façons de parler. Et on connaît un peu mieux ces rounds, mais bon... Le passage de... Faut vraiment pas que je prenne de coups au moment des boules, quoi. Y a pas de sens autre que tu prends cher. Hein. Wow.
Petite pause avant le début. Donc là, il me tape avec les deux normes. Les boules, il y en a deux. Les mains. Les boules, on a 4 je crois. Plus que 4 là. C'était dur celle-ci, hein. Purée. Et là, faut que je survive. Non! Oh là 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 là. C'est une foirade. Je sais pas comment on va faire, mais on va essayer. Non, mais non! À 3 secondes près, wesh! Ah, je suis choqué! Non! Non. Non. Mais je vais tout prendre. Je vais tout prendre. Allez, allez. Encore à quelques secondes, j'en peux plus! J'en peux plus! Faut que je réussisse tout le. Au moins le dernier, quoi. C'est un. C'est un délire. C'est un délire. Je prends. Je prends. Je vais essayer de faire. D'utiliser notre arme. Bon, pour les boules, il faut qu'on utilise notre arme parce que ça va pas aller. Ah, je peux pas. Oh non, je suis en... Oui, c'est bon. C'était à peu. Et on a fait sa face, s'il te plaît. S'il te plaît. Dis-moi que c'était la fin. Merci, merci.
C'était pas si compliqué au final. Mais ah, les boules là, je. C'était complexe. Hein. Moi et le rythme, je suis nul. Sympa. On est dans Omori totalement. Vois-tu, j'ai oublié de te dire ce qui se passe ailleurs pendant que tu flânes dans le train. Le mien, ça a déjà été libéré. Tu te souviens de cet endroit, n'est-ce pas? Oui. Ce lieu souterrain où tu as vécu. Je comprends. Les gens qui y habitaient, tu les trouves peut-être méchants, mais non, ils ne méritent même pas ce qualificatif. Ils sont bien pires que ça. Tu vois, personne ne se soucie de votre départ. C'est presque comme si vous n'aviez jamais existé. Désormais, ce ne sont plus que des inconnus qui discutent du menu de ce soir. Ils ferment les yeux et font comme si une catastrophe n'était pas sur le point de les engloutir. Non mais Mias m'avait passé en fait. Et cette ville que vous êtes tant échiné à sauver. Une horreur, n'est-ce pas? Comme une verrue à accrocher. Vous avez risqué votre vie pour... Et tout ça pourquoi? On est arrivé à rien. C'est ici que tout a commencé. Le plus grand esprit du monde vivait dans cette ville. Mais qu'ont-ils donc accompli? La raison et la sagesse ne sont rien. Et à présent, cette ville n'est plus qu'un amas de ruines, oublié de tous. C'est pitoyable humain. Il est trop tard pour eux. Trop tard pour qu'ils comprennent ce qui les attend. Ils vont être éliminés de ce monde. Non, ce n'est pas encore terminé. Et c'est ainsi que Jon est apparu dans la nature, dans la mer, comme tout. Non mais en fait je suis en train de me poser la question de l'histoire, parce qu'à la fin, ok, on comprend que... Oh, c'est joli, je vous laisse. C'est l'origine de Zelda. Link, si vous préférez. C'était toi qui avais piqué tous les cœurs. Une étoile filante. Salut Clamelu. Il se passe quoi? C'est la fin. Il y a Sam qui a rencontré Mère et du coup il y a une liaison convalente. Donc on apprécie les graphismes, principalement. Nous y sommes. Tu ne veux même pas lui faire tes adieux?
C'est un peu direct essentiel. Parce que c'est vrai que les longueurs du jeu est... En fait, il est bien, il est beau. Enfin, il est bien en façon de parler. Je trouve que le... Tu joues beaucoup à la poêle, donc c'est un peu le but, mais... Il y a beaucoup de longueur pour pas grand-chose, je trouve. Et après, c'est sans doute mon avis de joueur. J'ai pas l'habitude d'avoir des trucs où tu t'embêtes, quoi. Et ainsi, l'espoir avait fait fondre la glace du temps. Et après, ouais, c'est très, très lyrique dans l'écriture, mais ça veut pas dire grand-chose. Le courage avait brisé les fers du destin. Il ne restait qu'une chose inéluctable. Une sempiternelle malédiction. Celle des adieux. Je fais la voix FIP. La barque de la faucheuse laissa l'humanité derrière elle, et la princesse et son chevalier tournèrent le dos à ce qui s'était passé, tandis que l'épais vide reculait enfin, l'humanité émergea de son sinistre refuge. Mais les vagues brisées formèrent une île solitaire, et alors que la marée devenait pluie, fan, vent et tempête, pour finir par disparaître sans laisser de traces, advint l'heure de se remettre en route. C'était un périple que nul n'avait jamais entrepris. En direction de la lumière au-delà de l'horizon lointain. Une lumière plus vive que celle des étoiles. Et plus chaude encore que celle du soleil. Le train pour l'Est, le train pour l'Est. Ah, le voilà. À 3 heures, 3 heures, ok. 3 heures et après, c'est illisible. La suite est complètement effacée. Personne ne s'occupe de cet endroit. Oh, elle a une queue de cheval. Quelle chaleur! J'aurais dû prendre mon maillot. Tiens, il y a quelqu'un. Heureusement que je ne suis pas allé nager. Vous attendez le train? Je m'appelle Sam, je prends le train pour l'Est. Il n'a pas l'air choqué, Jon. Vous ne sauriez pas quand le prochain train arrive? Oui, vous m'entendez? Quel drôle de bonhomme. Tout va bien, on dirait que vous avez vu un fantôme. Ah, c'est vraiment dommage. Pourquoi le train n'est pas encore là? Tellement chaud. C'est une lettre toutes les 6 secondes. Hein. Quel enfer.
Alors, c'est pas son love interest, hein. Elle est quand même, elle a quand même moins de 10 ans, je pense. C'est clairement pas son love interest. En fait, c'est une gamine qu'il avait adoptée. Enfin, une gamine, c'est une fille qu'il avait adoptée quand elle était. Quand elle était perdue, parce qu'en fait, c'est. Alors, je vais pas te raconter toute l'histoire, je sais pas si tu as vu tout le truc, mais. En fait, c'est une clone de Matrice, si on peut dire. C'est une clone de la mère de Eastward. Et en fait, elle se fait trouver. Alors, Jon la trouve dans le générique. On sait pas exactement où, mais en fait, on le voit au début très rapidement. C'est l'idée de. En fait, il la trouve dans une sorte de bulle de la Matrice, quoi. Et en fait, elle a envie de sortir de là où Jon habite, qui est. Ouais, bah, c'est surtout que, ouais, elle est plus petite en fait en taille de sprite. C'est surtout ça qu'on comprend. Et du coup, le fait qu'elle aille à l'école aussi au début. Et en fait, le truc, c'est que. Lui vit dans une sorte de décharge enfermée sous terre et ils sortent pas en fait. Le principe c'est qu'ils ne vont pas à l'air libre parce qu'il y a ce qu'ils appellent le miasme qui est une sorte de pollution. Et en fait, elle c'est la seule qui peut se charger de libérer un peu la pollution. On apprend que la pollution n'est pas vraiment une pollution, c'est une représentation de Charon, qui est une représentation de la mort, parce que Charon c'est le passeur de la mort, enfin bref, ça c'est dans les histoires qu'on connaît, mais sinon dans l'histoire, Charon n'est pas très bien expliqué, autre que c'est des. Comme dans les Miyazaki, parce qu'il y a une grosse ref à Miyazaki, c'est-à-dire la représentation de la pollution. Et du coup, elle peut s'en débarrasser, ou du moins faire de la place pour qu'il y ait un peu plus d'air et du coup Jon l'accompagne sur tout son passage vers l'extérieur et on apprend un peu plus sur qui elle est. Donc elle est clone de quelqu'un qui est la mère. Donc en fait il y a trois personnages qu'on retrouve souvent. Il y a Salomon qui est en fait celui qui amène Charon, donc la pollution. Alors on ne sait pas exactement pourquoi, mais voilà, à part que c'est Mère qui l'a demandé, et Mère, c'est la représentation de physique en tout cas, donc le clone officiel apparemment, de Sam. C'est pas très clair autre que ça, il y a Alva et Isabelle, on ne sait pas exactement trop, à part qu'on les a découvertes dans une ville, et qu'elles arrivent à combattre le miasme avec des outils techniques en fait qui sont un ventilateur quoi. Et là on voit Daniel, apparemment la naissance de Daniel. Donc en fait c'est une sorte de. Il y a une sorte de boucle temporelle aussi à la fin. Donc là en fait on redécouvre les personnages dans leur monde, j'imagine, sans mère et sans Sam. Alors que Jon se rappelle apparemment des choses. Et ça c'est notre jeton qui nous a permis de gagner beaucoup de thunes. Voilà. Bon bah c'était bien, enfin c'était bien façon de parler, c'était compliqué comme jeu je trouve, pour pas grand chose, au niveau du temps surtout, ça m'a fatigué. Je trouve qu'il se réveille le jeu que à la fin, donc là on va revoir le générique d'ailleurs je pense. Il se réveille que à la fin, je sais pas pourquoi. Il y a Daniel, c'est le héros. Non, 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 le héros, c'est pas Daniel. Bah, tu vas voir. Hein. On voit le début là dans le générique. Donc là, on comprend que Jon est un minier, donc c'est un ouvrier de la mine. Je vais baisser le son. Il trouve un jour, du coup, dans une sorte de truc de bulle matricielle de mer, il trouve Sam. Et ensuite, voilà. Ça, c'est Isabelle qui est sur la fusée de Alva. Donc, ça, c'est la ville de Alva et Isabelle. Où, justement, il y a les ventilateurs qu'elles ont construits. Il y a le personnage de Daniel, là, qui est en train de porter avec. Voilà. Donc, là, on voit Daniel, le robot, qui est un bourrin avec le père d'un petit
qui se fait boycott au début, Bully au début. Là, c'est le frère de Alba, qui nous a carotté toute notre thune. Et après, voilà. Toute l'histoire, c'est Jon qui se tape avec une poêle pour pouvoir protéger Sam, qui a, elle, un pouvoir uniquement face au miasme. Salomon, on sait pas exactement pourquoi, mais en fait, on le voit à trois âges différents, donc quand il est petit, quand il est ado et quand il est vieux. Autre que la bulle temporelle, et ça explique pas des masses pourquoi, mais en fait, c'est, on comprend qu'il y a une sorte de temps long. Voilà. Et on traverse le temps à grâce au train. Pour faire grossièrement l'histoire. Donc, ça, c'est dans le miasme. Enfin, c'est dans la bulle temporelle où il y a le miasme aussi. Voilà. Donc, on a fini le jeu. C'était pas très clair. Enfin, il y avait plein de trucs que je trouvais pas très clairs. La fin à la Matrix plus que à la Miyazaki, c'est un peu étrange, bizarre. Apparemment, il y a un chapitre 9, mais on était au chapitre 8, donc j'ai du mal à saisir ce qui va être différent, quoi. Mais je crois que c'est peut-être un New Game.